Mais dans le Christ, bonjour. En ce jeudi saint, un double événement nous rassemble en cette enceinte sacrée. La célébration de l'institution du sacerdoce par le Christ, prêtre de la nouvelle alliance, pour perpétuer sa mission ici-bas. Ensuite, la participation à l'action de l'Église locale autour de notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor, qui, entouré de son presbytérium, bénira les saintes huiles et consacrera le Saint-Crème. Au cours de cette cérémonie, les prêtres renouvelleront leurs promesses sacerdotales et, avec elles, le choix radical d'une vie entièrement donnée au Seigneur et au service du peuple de Dieu. Par l'annonce de la bonne nouvelle du Christ, la célébration des sacrements, la fidélité aux engagements attachés à leur ministère. Cette célébration qui débute par une procession d'entrée nous rappelle que nous sommes un peuple de prêtres, de rois et de prophètes. Dans ce contexte sociopolitique et sécuritaire totalement dégradé, nous sommes venus entourés de notre prière, accompagnés de nos sentiments de gratitude, nos prêtres appelés, comme nous tous, à la sainteté en répandant partout la bonne odeur du Christ. Frem axemio. L'évangile jodia fait nous méditer sous mission Christ là, qui c'est mission toute paix au tout. Poté, bonne nouvelle, l'évangile là, by pauvre. Si là, yo qui mettez confiance, yo, non bon Dieu seulement. Annoncer délivrance pour tout le monde qui est en tribulation. Pendant la célébration, ça, on demande à Jésus, force l'esprit bon comprendre, force à courage pour mon Seigneur nous, paye à diacre, de quoi pour yo, sel à lumière, réellement vrai, tout côté au passé. On demande mon Dieu tout, par l'entremise Maman Marie, pour le bon nous force. À courage pour nous bâtir. La paix joue une place au tout bon vrai. Peuple de Dieu, unissons nos voix pour magnifier le Seigneur et célébrer sa grandeur et sa miséricorde. Madame, Monsieur, auditeurs, auditrices de partout, internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue sur tous les réseaux catholiques à l'intérieur de la paroisse Alta Gracia de Delma où nous allons célébrer notre foi. Je ne suis pas seul, moi pas pour moi, moi avec Isélie Paul, à qui la petite bonne fête, c'est par notre baptême, nous retrouver, nous sommes pères, nous sommes prophètes et nous sommes rois. Bonjour, bonne fête. Bonjour, le Père, éternote et fidèle catholique, et surtout bonne fête à tous baptisés. Jean-Luc Pandal se dit là, actuellement nous dans la paroisse Notre-Dame d'Altagrâce, Mandelma, ensemble nous fêter la messe. On dit la messe, c'est une des plus gros bagailles que nous sommes capables de gagner dans la vie de chrétien. Normalement, messe jeudi, il y a un double événement.
avivement là dans nous. On nous dit jeudi, c'est jeudi saint. Toute semaine, c'est semaine. Mais semaine ça, c'est la grande semaine. La semaine spéciale. Et c'est peut-être ça, nous, la semaine ça, il y a une signature là-dedans. Qui est le saint. Qui commençait avec le dimanche des rameaux, qui c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et puis nous passer par la retraite pascale. Et il faut nous tous dire, amis, nous, une retraite pascale, un triduum pascal. C'est deux bagailles différents. On a bien pour déterminer pour nous après. Retraite pascale, ça nous vivre lundi, mardi et mercredi saint. Et puis, notre matinée du jour, c'est la messe chrismale isolée. Exactement. Et dans la messe chrismale là, on va suivre que Père évêque alors a bien pour bénir l'huile sainte et consacrer l'huile suprême là. Et puis l'huile suprême là, c'est une huile qui fait avec olive et baume, et c'est tout simplement évêque la table qui pour consacrer l'huile ça non pas béni. Effectivement, on nous dit tout, nous les messes, mais la messe chrismale, c'est purement et simplement parce que c'est la messe des huiles. Et l'huile sacrée, nous dit chrisma, et à partir de chrisma, eh bien, mais ça a porté non la bénédiction et la consécration de l'huile sacrée. Et bien, dans la célébration, ça, déjà qu'on est, c'est l'évêque du diocèse qui prend le président de l'Eucharistie, l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, son excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor. Toute paix accompagnée, Monseigneur. Mais on nous dit déjà, et pour cérémonie, c'est Père Jean-Julien Ladouceur qui lui-même a coordonné la célébration. Et puis, Gagnon et toi, la paix tout. Nous avons Père Anaël qui est attaché avec évêque, Père Dominique Régis lui-même qui est attaché avec prêtre. Et puis nous gagnons tout et permis de qui lui-même accompagne, capable d'accompagner et lecteur. Mais nous déjà dit, nous le mettons ça, c'est la pile. Nous dit c'est la consécration du Saint-Crème. Donc pour le mettre ça, et gagnons Père Thomas qui est un jésuite et qui s'est monié et Saint-Louis Gonzague. C'est au même qui va côté. Eh bien, vase qui gagne l'huile et pour catéchisme. C'est l'huile catéchisme. Puis nous gagnons Père Gilbert Pelt, qui lui-même c'est on dit rédemptoriste. Et puis gagnons tout Père Jean-Marie Louis, qui lui-même c'est recteur UNDH. Je me vais apporter. Après, pour l'huile catéchumène, la de couleur verte, c'est-à-dire, et voile qui a couvert le vase, la de couleur verte, pour l'huile malade, la de couleur violette, et puis l'huile synchrème, c'est Père Salomon avec l'huile, et il y a bien un vase là qui a recouvert avec linge, et voile de couleur blanche. A noter que ça m'a pas ajouté l'octamor, je dis à couleur liturgique là, c'est blanc. Et puis deux plus gros bagailles qui a gagné dans la messe, c'est bénédiction avec consécration l'huile et puis renouvellement des sacerdotes prêtres. Effectivement, dans la messe ça, c'est la donne puisque évêque là, lui-même c'est lui-même qui est premier chef n'importe où. Nous. Donc, n'a dit tout. Excusez-moi, n'a dit tout archevêque là, il est en même temps président de la conférence épiscopale d'Haïti. Vous voyez le monseigneur Max Leroy Mésidor, eh bien, si paye autour de lui, eh bien, il va le faire renouvellement des promesses sacerdotales. Et puis, a gagné tout et bénédiction des huiles et consécration synchrone. Et déjà, le tamam, bon, c'est le temps pour nous dire tout le monde, déjà bonne fête et surtout bonne célébration et pas débrancher sur Radio. Effectivement, on a dit rapidement, le frère Bibi, que c'est Isaïe 61, versets 1 à 9, Psaume 88, Apocalypse de Saint-Jean, chapitre 1er, versets 5 à 8, et puis Luc 4, versets 16 à 21. Enfin, c'est la chorale métropolitaine qui lui a animé. Et quand ici, la bonne participation.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, en ce jour de l'Eucharistie et du sacerdoce, je suis heureux d'être avec vous pour présider au nom du Christ, le prêtre parfait, la Sainte Eucharistie. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Seigneur. Merci tout le monde d'être ce que nous là. Demandons au Seigneur de répandre sur chacun de nous l'abondance de sa grâce et de sa paix. Demandons au Seigneur de répandre sur les ministres ordonnés, les prêtres, les évêques, l'Esprit Saint, pour que leur ministère porte du fruit. Préparons-nous à la célébration du Saint-Mystère en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'a établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Oh Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles et leur donner l'huile de la joie. Cette invitation à la joie et à l'espérance se retrouve dans tous les textes de la liturgie de ce jour qui nous parle de ceux qui ont reçu l'onction. Le serviteur de Dieu chez Isaïe, le roi David dans le psaume et Jésus notre Seigneur dans l'évangile. Onction que yo recevoir, c'est pour pauvio, ça qui pipiti yo, prisonnier yo, malade yo, peuple bon Dieu que y a servi. Écoutons attentivement ces lectures extraites du livre du prophète Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 9, le psaume 88, l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, versets 5 à 8, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servante de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Gloire de grâce. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur.
Autrefois, tu as parlé à tes amis dans une vision, tu leur as dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec le Saint. Pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son corps. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon amour accroît sa vigueur. Ton amour, Seigneur. Je le chante, il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui. Sois fidèle, ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Faveur pour nous à qui poser soutenant Jésus-Christ, qui témoin fidèle là. Premier petit en parmi moyo, à chef royo qui sous terre, lui-même qui remet nous, qui lave nous soutenant péché nous yo dans sang là, qui fait nous vin tourner rey à prêtre pour bon Dieu papa là. Compliment pour lui à autorité pour tout temps gantan. Amen. Mais l'ap vini avec niage yo, tout jè apwèl, même sak te pike lyo, tout race sou terre a plein sou li. Oui, amen. C'est moi-même alpha ak oméga, commencement ak finissement, déclaration grand maître la, li même ki la, ki te la, kap vini, li même ki gen tout pouvoir. Parole, grand maître là. Là avec nous tous. Lis-tu l'évangile qui s'est
d'après Luc. Laissa Jésus river Nazareth, côté où te fait l'éducation lia, li entré d'après habitude li, jour sabbat, non synagogue là. Et puis l'élevé pour l'île. Yo remet l'île prophète Isaïa. Et puis l'île ouvre l'île là. Les joints côté qui t'écria, l'esprit grand maître là sous moi, c'est pour ça l'issacré, pour m'porter bonne nouvelle là. By povio, li voyem breche pardon pour prisonnier yo, ak limye pour avec yo. Envoye sa yap krasé yo. Non, liberté, prêchez yon année, grand maître là, fais grâce. Et puis, li plie livre là, li remettre ses vents li, li chuta. J'ai tout le monde. Non synagogue là, t'es fixé sur lui, lui commence à dire, Jodia, écris-tu ça, accompli, non oreilles nous. On nous fait louange à compliment pour parole grand maître là. Thank you.
chers frères dans le sacerdoce ministériel, chers frères et sœurs dans le sacerdoce baptismal, peuple aimé de Dieu, naviguant entre les écueils, mais se laissant conduire par l'Esprit du Père et du Fils, notre communauté diocésaine célèbre ce matin la messe chrismale avant d'entrer dans le Saint Triduum, le Triduum pascal. Elle prend avec le Seigneur le chemin de la croix, le chemin de l'humiliation, avant de participer avec lui à la gloire de la résurrection. Elle emprunte les mots du psalmiste pour exprimer sa confiance en la providence. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans relâche. Lui qui garde Israël sans dormir, il te gardera. Il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Sœurs et frères, le jeudi saint est le jour de la naissance de l'Eucharistie. Il est aussi l'anniversaire de notre sacerdoce baptismal et ministériel. Nous célébrons cet événement dans un sentiment de grande gratitude, en reconnaissant que notre sacerdoce est don de Dieu selon les paroles du Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Au centre de la liturgie de ce matin se trouve la bénédiction des huiles. L'huile est le symbole de l'Esprit Saint et en même temps elle renvoie au Christ. Le mot Christ signifie oint, O-I-N-T, c'est-à-dire consacré, marqué. Et dans l'évangile du jour, Jésus reprend les paroles du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a oint. Nous qui sommes unis au Christ, nous sommes remplis de l'Esprit Saint, d'où notre nom de chrétien, c'est-à-dire oint, personne marquée par le Christ, personne qui appartienne au Christ. Trois huiles vont être bénies. Il y a tout d'abord l'huile des catéchumènes. Comme l'explique le pape Benoît XVI, dont je m'inspire dans cette homélie, l'huile des catéchumènes indique une première manière d'être touché par le Christ et par son esprit. Par cette onction qui est faite avant le baptême, notre regard se tourne vers les personnes qui se mettent en chemin vers le Christ, qui sont à la recherche de la foi, à la recherche de Dieu. L'huile des catéchumènes exprime une réalité à ne jamais oublier, frères et sœurs. Cette réalité, la voici. Ce ne sont pas seulement les humains qui cherchent Dieu. Dieu lui-même s'est mis à notre recherche en se faisant homme en Jésus-Christ et en partageant notre condition humaine en tout, excepté le péché. Ce n'est pas seulement nous-mêmes. Ce n'est pas d'abord nous-mêmes qui cherchons mon Dieu, mais c'est mon Dieu qui cherche nous
En premier, c'est lui qui vient rencontrer nous, l'œil tourne monde. Et dans Jésus-Christ, bon Dieu vient partager condition nous, il vient chercher nous toutes. Dieu est à notre recherche. Est-ce que je veux le reconnaître? Bon Dieu a cherché où? Est-ce qu'on voulait pour le joindre? Est-ce qu'on voulait pour le connaître? Est-ce qu'on voulait faire route avec lui? C'est ça lui le catéchumène, on veut dire. Mon cap cherché bon Dieu avant de baptiser, mais bon Dieu a cherché en premier. Ensuite, il y a l'huile pour l'onction des malades. Nous avons devant les yeux la multitude des personnes qui souffrent, les affamés, les victimes de la violence, victimes des pillages, des incendies. Nous avons devant les yeux les malades avec toutes leurs douleurs et leurs espérances. Nous avons devant les yeux les persécutés, les personnes au cœur brisé. Nous avons devant les yeux un pile monde qui a souffri et nous-mêmes qui l'a souffri. Monde qui a souffri, c'est eux-mêmes qui les grands destinataires du royaume de Dieu, de l'annonce du royaume. C'est ça nous joint dans l'évangile matin et que Isaïe t'a dit bien longtemps. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, dit Jésus. Guérir, frères et sœurs, est une tâche primordiale confiée par Jésus à l'Église. Suivant l'exemple donné lui-même, quand il parcourait les routes du pays en guérissant. Guérir le cœur blessé des humains, c'est aussi la mission de l'Église. Guérir le cœur blessé des humains, l'Église essaie de le faire dans la limite de ses possibilités, à travers les hôpitaux, les dispensaires, les cliniques mobiles, les ateliers et sessions de psychologie. Elle le fait aussi dans les sacrements, particulièrement le sacrement de la réconciliation, dans l'écoute attentive des personnes, dans l'accompagnement spirituel. Car la guérison première et fondamentale advient dans la rencontre avec le Christ qui nous réconcilie avec Dieu et guérit notre cœur brisé. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux et celles qui, en vertu de leur foi et de leur amour, se mettent aux côtés des souffrants, apportant ainsi, en fin de compte, un témoignage de la propre bonté de Dieu. Merci, Peyo. Merci, Freyo. Merci, cher Seyo, nous-mêmes qui dans l'hôpital, qui dans dispensaire. Merci, tout docteur, infirmier, infirmière, auxiliaire, femme sage, membre petit personnel, qui prend soin maladio. Nous pas toujours jouer une compréhension, nous pas toujours jouer une reconnaissance, malgré tout, n'a pas continué sa vie tout côté, dans tout quartier. Institution, l'église là, a continué ouvrir pour tout le monde, que ce soit l'école, l'église là, que ce soit l'université, que ce soit dispensaire, l'hôpital, que ce soit cantine, que l'église là, il a continué ouvrir pour tout le monde. C'est mission, bon Dieu, nous. Bon Dieu, vous pour nous servir, nous servir jusqu'à ce que nous tournions à joindre, bon Dieu. Mais travail, l'Église, bon Dieu.
En troisième lieu, frères et sœurs, il y a la plus noble des huiles ecclésiales, le crème, un mélange d'huile, d'olive et de parfums végétaux. C'est l'huile de l'onction sacerdotale et l'onction royale. On l'utilise pour les sacrements qui confèrent l'Esprit Saint, à savoir le baptême, la confirmation, l'ordination sacerdotale et épiscopale. Le baptême et la confirmation constituent l'entrée dans le peuple saint, dans la nation sainte, dans le peuple de Dieu qui embrasse le monde entier, ou même qui l'église là, ou même cap suivre mais ça ou cap coûter sous paco baptisé pas prend temps pour rencontrer un père pour régler ça. C'est baptême là qui entre dans l'église, mon Dieu. La plus grande dignité que nous avons dans l'église là, c'est la dignité baptismale. C'est dans baptême là ou vin paix pour fête avec Jésus. Et monde qui pral baptiser dans veille pascal là dit bon Dieu merci en pile ni ou même ni paix paroisse là parce que c'est quelques fidèles en plus qui a entré dans l'église là, c'est quelques bras en plus, mais surtout parce que bon Dieu a le cherché pour élargir peuple là. M'encouragez nous moun ki gen moun la kayou ki poko baptisé, parle yo de baptême nan. Baptême c'est la porte d'entrée dans l'église. Et dans baptême nan, bon Dieu marque nous pour nous capable rendre visible que sensible sous terre. Le Seigneur nous a oint, il nous a marqué de son amour. Il a posé son Esprit Saint sur nous pour que nous soyons son sanctuaire dans le monde. Et pour le monde, pour que nous soyons des exemples lumineux de foi et d'espérance. C'est toi l'huile saillot, tout à l'heure, nous pral béni. Mais liturgiquement, nous dit bénédiction de l'huile des catéchumènes, bénédiction de l'huile des malades, et nous dit consécration du Saint-Crème, et ça fait troisième, nous pral prend plus de temps, parce que c'est lui-même qui est plus noble, plus grand dans l'huile de l'église là, le Saint-Crème. Frères et sœurs bien-aimés, permettez que je m'adresse maintenant aux prêtres. Chers confrères dans le ministère sacerdotal, le jeudi saint est la fête de tout le peuple des baptisés. Mais il l'est de façon particulière pour nous. Le jeudi saint est notre jour, car à l'heure de la dernière scène, le Seigneur a institué le sacerdoce du Nouveau Testament. Consacre-les dans la vérité, a-t-il demandé au Père pour les apôtres et pour les prêtres de tous les temps. Jean chapitre 17, verset 17. Consacre-les dans la vérité. Le jour de notre ordination, nous avons été oints avec le Saint-Crème, dont l'une des significations est la joie, l'allégresse. Pas n'importe quelle joie. Il s'agit de la joie qui nous vient du Christ. Cette joie peut cohabiter avec la souffrance. Elle nous donne la capacité de souffrir et dans la souffrance, de rester ferme, lucide et compatissant. La joie qui vient du Christ nous donne la capacité de partager la souffrance de l'autre, de partager la souffrance de notre peuple. Par là, nous rendons perceptible la lumière et la bonté de Dieu. Mes frères, je salue votre courage. Et je vous exprime ma gratitude pour le précieux service d'accompagnement du peuple de Dieu durant son long calvaire. Merci, Père. Merci, parce que nous là, à peuple là.
Le gars de monde qui m'a dit qui ça l'église fait dans situation ça, première réponse moi bail moi dit payo mais yo frère yo yo rete yo là en pile nan nou rete nan paroisse gars de jour nous obligé déplacer nous tourner nous pas la peuple bon Dieu. Merci pour courage nous, merci pour effort n'a fait, merci parce que nous avons été témoins de l'évangile. Maintenant, la communion et la solidarité dans le presbytérium. Maintenant, la communion et la solidarité avec les religieux et les religieuses. Quelle solidarité avec fidèles, avec voisins, avec les gens qui sont quartier, avec nous qui vivent même souffrance là. Quelle solidarité avec tout le monde qui travaille pour améliorer la situation du peuple noir. Moi, comptez sur nous. Et à l'exemple du prophète Isaïe, et toujours au fond du cœur, cette parole d'espérance, consolez, consolez mon peuple. Père, doué le monde qui a baillé l'espérance, qui a baillé la force, qui a soutenu l'autre. Rappelez tout le monde que bon Dieu aime nous. Rappelez tout le monde que miséricorde bon Dieu a. L'exprimer à travers la proximité, l'affection et soutien que un pile frère et sœur manifestait dans moment de détresse, dans moment d'affliction. Remercier tout le monde sous paroisse nous qui accueille le monde la caille dans moment difficile ça. Remercier tout le monde qui partage un petit pain, un verre de l'eau avec le monde qui est obligé de quitter la caille. Encourager solidarité à, parce que un peuple qui unit. C'est ça, bon Dieu, remet. Et à ce qu'on a chanté dans la messe la scène, « Ubicaritas et amor de UCBS. » Côté yon remet l'autre, côté gen la charité, là, bon Dieu. Frère mio, se mio. M'pa vle citer aucun paroisse pour m'pa oublier l'autre, pour pas gen ti jalousie tout. M'pa vle citer pièce moun pour m'oublier l'autre. Maintenant, comme, dans les yeux, grand pile mon nom, moi là, m'de ka cité non là, pour ça y a fait, comme travail, l'église là. Dans quartier difficile, yo. Ça a fait à moun qui blessé, moun qui prend balle, yo là, yo campé, yo répond, merci en pile, paix, mais, laïc, kap fait travail ça. Ça l'en font comme, m'ba le cité là, mais nous connaît. Ça me l'aide nous. Merci. Continue de travailler pour bon Dieu. Frère mio, sœur mio, fidèle mio, nous-mêmes qui là, nous-mêmes qui l'autre côté, nous qui t'avons venir, peut-être que la situation fait pas la matin. Hein? Nous-mêmes qui t'avons célébré mes chrismes à Tigouave avant hier pour toute la zone sud de l'archidiocèse avec Monseigneur Romelus. Frère mio, sœur mio, avec un pile remède, un pile respect, m'a voué dit nous, Kembe fem. La prière yon pour l'autre, la prière pour le peuple là, qui besoin de chercher la vie, qui besoin d'acheter de manger, médicaments, la prière pour qu'on quitte le vivre, pour qu'on quitte le peuple à sortir, pour qu'on quitte le peuple à faire activité, pour qu'on quitte le peuple à épanouir, parce que c'est ça, bon Dieu m'a dit. Tant que bon là, on sous quoi, beaucoup de Jésus, en nous tous, nous quittons, regard Jésus touché nous. Nous-mêmes qui chef dans le pays, nous-mêmes qui révoltés, nous-mêmes qui armés, nous-mêmes qui dans le parti politique, quel que soit côté nous, tant pris, quittez Jésus gado, j'en te gardé bon là où on se croit. Quittez regard Jésus à toucher cœur pour changer. Remets Jésus à pour nous tous. Remets Jésus à pour tout le monde net. Souffrance pour tout le monde et résurrection pour tout le monde si nous acceptons de changer et suivre lui. Mon qui gagne gros âme, baissez-vous, tant pris. Quittez petit bon Dieu vive. Au nom bon Dieu, la vie a, nous demandons ça. Quittez Jésus garder nous dans la semaine sainte ça. Comme ça, nous sommes capables d'entrer un jour avec lui dans le paradis. Après nous finissons et préparer paradis sous terre d'Haïti.
Frères et sœurs bien-aimés, prions avec foi au cours du triduum pascal. Que le Seigneur fasse lever sur nous un jour de lumière et de paix. Qu'il nous fasse sortir vainqueurs du mal, de la violence et de tout péché. Que le Seigneur oriente nos pas, qu'il éclaire nos chemins, qu'il nous protège et nous garde sous l'abri de sa miséricorde. Amen. Consécration, l'huile secrète là, et puis l'été profiter et remercier toute laïque, toute baptisée et surtout Père qui, malgré moments difficiles, a toujours été disponible et disposé dans toute paroisse. Et surtout, l'été prend le temps pour lui, encore une fois, prêcher l'amour, prêcher solidarité, parce que dans le moment ça, c'est ça nos besoins. Et moi, souhaitez-nous bonne continuité dans la messe là. En cette fête du sacerdoce, sacerdoce épiscopal relatif aux évêques, sacerdoce ministériel pour ce qui est des prêtres, sacerdoce baptismal commun aux fidèles, nous qui sommes de la grande famille des enfants de Dieu, nous voulons souhaiter bonne fête à notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor. Bonne fête également à tous les prêtres, particulièrement à Monseigneur Pierre-André Pierre et au Père Jules Campion, Jean-Calix Hilaire et Antoine Roger Pierre, qui célèbrent leurs 45 ans de sacerdoce, à Mgr Jean-Théodule Daumont et Père Chancy Guerlain, qui célèbrent leurs 35 ans de sacerdoce, et au Père Frissner Jean-François, Alain Michel, Franz Price et Frissner Valsin, qui célèbrent leurs 25 ans de sacerdoce. Payola pour collaborer avec évêque là dans trois qualités service. Yo gagné pour yo enseigner, gouverner et puis sanctifier peuple bon Dieu. Pour payo continuer marcher sur route sagesse ça, faut que toujours été disponible dans le service bon Dieu. Payo pral renouveler engagement yo te prend jou ordination yo pour yo rete fidèle dans service Christ là
Pendant y a répondre quelques questions, mon Seigneur, pour le poser. Y a besoin grâce, bon Dieu, à la prière fidèle. On nous suive en silence dans la prière. M'a commencé moi-même par renouveler engagement, promesse moi devant bon Dieu grand maître là, et après ça c'est payé. Frères et sœurs bien-aimés, devant vous je renouvelle l'engagement que j'ai pris le jour où j'ai été consacré. Je m'engage à rester fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, à annoncer l'évangile sans relâche, à garder l'intégrité du dépôt de la foi dans l'obéissance aux successeurs de Pierre et dans la communion de tous les évêques pour l'édification de l'Église. Je m'engage avec les prêtres et les diacres à prendre soin du peuple de Dieu, à être attentif aux pauvres et aux malheureux, à ramener dans la maison de Dieu ceux qui se sont égarés. Amis auditeurs, amis internautes, en France. En cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité? Oui, je veux. Et vous, mes frères et sœurs, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ souverain prêtre et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Priez aussi pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ, qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Amen.
Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour. Qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. Possession des huiles et qui va les réaliser. Il y a un père et Anaël avec un père là du cher de la table qui préparait tout ça avec des récipients pour accueillir vase qui va rien d'huile et que ils mettaient devant l'autel là et sous et parti ça. Et bien, mon Seigneur va rien pour lui bénir l'huile et catéchumène avec l'huile malade là et puis la prêle rien pour lui consacrer. L'huile Saint-Crème. Et devant table là, il y a une belle gerbe de fleurs. Eh bien, et père et la douceur avec un permis déroué. Eh bien, et eux-mêmes, ils ont déposé devant eh bien, table qui pourra recevoir l'huile. Pas oublier, et dans la célébration, ça a gagné et quatre cérémonières. C'est père la douceur qui lui-même a coordonné la célébration. Et puis, il y a un père Mick Déroué qui surtout accompagné les lecteurs. Et puis, Père Anaël, lui accompagné évêque là. Et puis, il y a un père, on dit Dominique Régis, qui lui-même a pu accompagner et Père Yo. Et là, Frère Axemio, nous arrivons dans un moment qui est important dans la cérémonie aujourd'hui. Côté Monseigneur, pour bénir d'abord l'huile maladio, après ça, la bénir. L'huile catéchumène. L'huile maladio pourra le servir pour célébrer sacrement maladio. C'est symbole la vie et force l'Esprit Saint. Nous baillons les gens qui souffrent dans le corps, dans l'homme et dans l'esprit. L'Église là servit avec l'huile catéchumène. Pour grand monde qui a préparé pour recevoir sacrement baptême. Il fait moun sa yo vin pi diam dans la foi yo pour yo ka lutter contre péché pendant y a purifié cœur yo pour yo toujours bien disposé faire ça qui bien. Quant à l'huile Saint-Crème non, lui-même qui c'est un mélange l'huile d'olive avec une lotion parfumée, une lotion qui sentit bon. Monseigneur Max Leroy pourra le consacrer. L'huile Saint-Crème, c'est présence l'Esprit Saint avec symbole cœur content. C'est lui qui servit pour baptême, confirmation, ordination, consécration l'église avec l'autel pour faire la messe. Grâce à l'huile Saint-Crème, chrétiens ont participé dans la condition roi, prêtre et prophète Christ là, et puis ils ont marqué avec l'Esprit Saint dans eux. Pour la prière consécration, Père qui l'a pral entouré Monseigneur Max Leroy, qui pral invité tout peuple bon Dieu à pour la prière tout. Dans mitan la prière pour consécration, Père a bien pour longer meilleur tout ensemble avec Monseigneur sous l'huile Saint-Crème là. Père a fait ça en silence. Frère Axemio, on suit moment ça avec un pile attention à recueillement. Donc là, les amis auditeurs et les amis internautes, c'est la procession des huiles qui a été faite. Déjà, nous avons gagné et Père et Dominique Régis
qui lui-même a pas accompagné Payo, mais derrière de lui gagné deux amis qui a porté l'huile malade qui gagné et chasu de la violette sur eux-mêmes et puisque c'est malade et puis vase qui gagne l'huile et malade là et qui pral bénir et bien il y avec un linge ou un voile qui couvre lui et puis on dit ses pères Gilbert Peltreau qui est rédemptoriste qui lui-même avec père Jean-Marie et Louis qui a pépoté l'huile et malade Silla. Maintenant, les amis auditeurs, c'est eh bien, et père Mick Adéoué qui a avancé. Et pendant que Mick Adéoué a avancé, eh bien, et deux amis qui ont mis la pépote vase qui gagnait l'huile catéchumène et qui c'est le révérend père Laurent-Émilien Pierre, qui c'est un père Montfortin, et puis et père l'huile Thomas. Des malades. Oui, et puis il y a un père Thomas qui c'est un père jésuite qui lui-même bral porter l'huile catéchumène. Et présentement, père Peltreau avec père Jean-Marie et deux pères Anaël y ont déposé l'huile catéchumène de l'huile malade là dans la place li côté pour monseigneur Al Benini. Et on dit les trouver à droite et bien table et qui devant l'hôtel là. Voici l'huile des catéchumènes. Même mouvement, le père Naël a aidé père Laurent avec père Thomas. Eh bien, l'huile catéchumène maintenant n'a place qui est réservée pour lui. Et puis au milieu, il va recevoir l'huile et Saint-Crème côté possession. Et Saint-Crème a avancé, Père Jean-Julien la douceur et qui est devant. Et puis Salomon et qui lui-même s'est fait qu'il n'a pas voir Saint-Clair dans la place Caso. Et puis Monseigneur Serge Abbé Sadik, qui lui-même s'est curé Sainte-Thérèse de Pétionville. Et il n'a pas avancé avec l'huile Saint-Crème là. Voici l'huile du Saint-Crème.
Voilà, et entre-temps, mon Seigneur qui lui-même déjà est campé, prend place devant un tableau à côté, et bien le Saint-Crémant lui-même a pu déposer lui, et puis qui lui-même a déjà béni et deux premiers lumières qui c'est l'huile malade avec l'huile catéchumène. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur sur cette huile que ta création nous procure, pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi, pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, et pour mon Seigneur béni, l'huile Saint-Crémant, très bien, Père Naël t'a découvert, et Vazla qui est l'huile là, et qu'on y a là. Pour l'huile catéchumène, non, et Père Naël pourra découvrir et vase qui est l'huile catéchumène, non, et Monseigneur pourra bénir lui-même tout. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Monseigneur qui a préparé pour lui consacrer et l'huile et Saint-Crémant. Et pas oublier, n'a pas rappelé où, messe, la lire les messes chrismales, et c'est à partir de
consécration de l'huile Saint-Crémant et on dit sorti du latin chrisma, sorti dans chris là lui-même, c'est l'huile et qui pour lui-même et on dit pour bénir le consacrer l'autel et pour ordination et père évêque et puis on dit pour consacrer nous dit l'autel nous dit l'église et comme ça donc voilà les amis auditeurs et les amis internautes et puis gagner et un frère et de l'institution chrétienne qui lui-même portait de l'autre l'huile qui pourra la mélanger avec Saint-Crémant qui c'est l'huile d'olive avec l'huile sentibon et nous dirait les baumes là et monseigneur pour consécration hein, il pral d'abord mélanger et puis il pral souffler sur l'huile ça et puis il pral faire gros la prière consécration l'huile là lui-même. Voilà, monseigneur qui mélangeait l'huile d'olive là avec l'huile qui va servir pour Saint-Crémant et là la mélanger avec un matériel qui était préparé pour ça. Maintenant, ils vont faire premier la prière. Tous ensemble, notre Dieu, le Père Tout-Puissant, de bénir cette huile parfumée et de la sanctifier, afin que tous ceux et celles qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu, de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le Saint-Crémant. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier,
signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore, lorsque ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe. Et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Oh, si nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile. Et par la puissance de ton Christ, à qui elle empointe le nom de ses crèmes, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophète et martyr. Fais que cette huile destinée à l'onction deviennent pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine, et communie à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, amis auditeurs, amis internautes, et c'est là yo capé vive la messe chrismale là depuis paroisse Alta Grâce à Nandelma pour montrer importance et l'huile Saint-Crème n'a gagné dans la vie l'église là. Le et bien monseigneur fait une consacrer l'huile là, il recouvrit avec un tapis spécial et avant on mettait couvercle sous lit et puis pour mettre voile sous lit qui lui-même gagne une sorte de talatane, on est en tuile en balanant, c'est pour montrer comme une robe de mariée. Donc voilà, et c'est comme ça, et voile ça lui-même lié sous l'huile Saint-Crème là. Donc voilà, amis auditeurs, amis internautes, frères et sœurs, c'est parti ça et pour la consécration des huiles. Après, nous allons entrer directement dans la deuxième partie de la messe là, qui c'est les mêmes, on a dit la présentation des dons, et c'est-à-dire ça,
Et oui, qui va la présentation des dons. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui ont part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice de la croix à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit, tu t'as pral trahi Jésus, li prend payant, li dit ou merci, li béni, li cassé le bail partisan, li dit manger la dans tout réellement vrai, ça c'est comme moi. Ma baille pour nous. Même j'entoure, l'œil au fin manger, les prend calice là, les dit ou merci, les béni, les bail partisans lui, les dit ou. Voilà dans l'autre, réellement vrai, ça c'est sans l'autre contrat qui va là pour tout temps, c'est sans qui pral couler pour nous, pour tout le monde, pour pardonner péché. Fais ça pour nous songer, moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, rendus forts dans les épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Jeudi Saint, fête du sacerdoce, fête de l'Eucharistie, fête de l'amour. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais je serai ma parole, je serai Dieu.
Ben si l'âme potée par nous en pile monde, il pas en rien. Mais vous bondiez pas par nous en c'est Sa,
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frère Mio Semio, un grand merci pour présence nous. Dans un moment difficile à vivre, mais la foi nous faut célébrer la semaine sainte, c'est semaine sainte, Triduum Pascal. Cap ouvrir à Soya et jeudi à matin, faites la commencer avec la messe chrismale, la bénédiction des huiles, la fête du sacerdoce, la fête de l'Eucharistie. Et dans la paroisse, dans la communauté, on a continué à célébration. Année ça, exceptionnellement, l'Église la permet de faire quelques bagailles parce que la situation est difficile. Par exemple, messe la scène dans Pita. Capable de commencer à 4 heures. Habituellement, c'est un peu plus tard. Mais dans le contexte, je dis qu'on a commencé à 4 heures. Même Jean-Tou, ça n'a pas jamais fait pour veiller Pascal, fait à 4 heures de l'après-midi. Mais année, ça a vu le contexte là, il y a deux paroisses qui m'ont dit si on a fait à 4 heures. Bon, on a fait à 4 heures. L'important, c'est que nous chantons pour bon Dieu. Son paroisse n'a pas fait veiller Pascal là, tout pas de problème. Dimanche Pâques, la bénissière Pascal là, dans le commencement, mais cela. Il bénissait Pascal là, et puis, mais ça continue dans le dimanche là. Donc, si vous n'avez pas fait veiller Pascal, pas un problème, vous faites célébrer le dimanche de Pâques. Mais exceptionnellement, vous êtes capable de faire veiller Pascal là, 4h30, 5h, parce que ce contexte là qui est un petit peu la cause. Ça. Nous avons souhaité nous tous un bon triduum Pascal, et nous avons encouragé nous célébrer la foi nous vivement dans bon Dieu, grand maître nous. Alors, Pape Kembe nan pile, ta bon moun ki premier à l'honneur nan fèt jodi a, si Peyo, et parmi Peyo, gen jan tande l k ap fete 25 ans. En pile pe pa la, nou comprenn ça, mais nan paroisse on a konnen Père Fritzner, Jean-François qui dans paroisse But Boyer, il gen 25 ans. Père Alain Michel qui Sainte-Anne, 25 ans. Père Price qui font Amara, 25 ans. Père Fritz Nervalsin, lui-même qui est à l'étranger, il a 25 ans depuis au Père. N'a pas dit Père ça, une bonne fête. Gay qui commençait plus grand monde dans Père, qui a 35 ans. Monseigneur Théodule Daumont, pas qu'à là. Père Guerlain Chancy, je crois que c'est celle jubilé qui l'a. Père Guerlain Chancy font un petit campé. Il y a 35 ans. Il y a mon cap dit, mon Seigneur, qui l'âge il était père? S'il y a 35 ans pour les jeunes comme ça. Il y a 35 ans. Il y a un père qui a 45 ans depuis au père, qui t'a ordonné en 79. Je me suis juste là, moi j'étais dans seconde. Et je suis ordination ça dans Port-au-Prince, Père Jules Campion. Père Campion. Ah, nous sommes Père Campion en ville. Tu as prié pour lui dans Bois-Neuf. C'était aux quatre qui étaient ordonné les ça pour Port-au-Prince, Père Campion, Père Jean-Calix Hilaire, qui curé Santo. Nous avons Père Monseigneur Pierre-André Pierre, qui travaille Brooklyn, et Père Antoine Roger Pierre, qui curé Thomasin. Nous avons 45 ans, Père. Nous avons Père là, qui a quelques mois, je tape tant nous citer. Dans quelques mois, on a quitté ordonné en janvier, tout l'autre jour, mais bonne fête, tout. Alors, c'est fête Peyo, et Peyo répond.
Alors, tout le peuple qu'il a, on s'est campé. Pour nous dire bon Dieu, merci. Et pour le peuple, là, de nous merci. Tout le peuple. Merci, mes frères. Merci. 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 Jeudi Saint, c'est sacerdoce ministériel, prêtre, évêque. C'est sacerdoce baptismal, tout fidèle. Et parmi baptisés, nous peut baptiser. Nous avons des monde qui sont consacrés pour bon Dieu qui mettre là. Alors, Père, vous la matin, mais Père, vous pas venir pour continuer. Vous avez pile mec qui dit, il faut vous déplacer. Chers soeurs, font petit camper. Mes soeurs, merci d'être là. Merci, mes soeurs. Même si vous n'avez pas un grand nombre, vous avez quelques frères qui l'ont. Vous avez quelqu'un qui est en possession. Chers frères, vous avez campé. Nous ne sommes pas aussi nombreux que nous. Ah, frère l'ami là. Frère l'ami, sauvez la mise. Merci. Il y a des gens qui sont en route pour vivre une paix. Qui a préparé matin, qui a gardé le cœur, qui a dit, mais qui est ma place? Qui est-ce que c'est un séminariste. Bon, c'est un peu non, séminariste. Un grand nombre. Merci, chers amis. Dans le peuple baptisé, elle est noble, elle est fidèle, qui l'a en grand nombre, mais qui t'aime commencer par respect comme la caillou, tout peut baptiser fidèle à ta grâce qui l'a. Fonti campé. Merci de ce que nous la peut pas ta grâce là. Fidèle l'autre paroisse qui t'est tenu pour venir là matin. Fonti campé. Et merci. Merci. Merci que dans ce nom-là, et continuez à faire la foi en femme. Mais parmi tout le monde, il y a des gens qui beaucoup véritablement dans le peuple de baptisé. C'est-à-dire, c'est baptisé moins cas. Samedi, il y a baptisé pour pas qu'il y ait des catéchumènes. Les gens qui sont catéchumènes qui parlent pour baptiser samedi, font un petit campé. Vous comprenez quel est le catéchumène là? Ah! Merci! L'église a content accueilli nous et tout ça pas qu'à venir nous saluer. Parfois on invite les gens qui pourraient le confirmer tout pour venir, mais on est bon vu que l'église là c'est pas la cathédrale, c'est pas grand pile en pile place et puis dans le contexte là on va insister pour les gens qui pourraient le confirmer ou venir. Peut-être qu'il y a quelques gens qui là qui pourraient le confirmer. Si il y a des gens qui pourraient le confirmer qui là font petit camp. Ah oui, il y a quelques-uns devant. Ah, merci d'être là. Nous vous présentons tout confirmé. Mes frères Axemio, nous tous là, merci à nous tous. Et pour l'étude à fait, il y a des gens qui coordonnent, il y a les cérémonières, Père La Douceur, Père Anaël, Père Dominique Régis, Père Mick Dewey, qui est là avec nous, il y a quatre là. En vrai, célébration, ça a fait, il y a préparé, il y a répété. Avec monde qui fait lecture, qui fait commentaire, chorale qui chante, enfin un cœur qui servit, tout le monde qui prépare, tout le monde qui attend liturgie, qui prépare pour messe à te réaliser, chorale et nous toutes, merci, merci en pile et bravo. Un merci particulier à Père Brière, coordonnateur chorale métropolitaine, un musicien et la chorale métropolitaine qui habituellement animé et messe chrismale là pour nous. De merci. Tout groupe qui l'a, qui fait accueil, qui fait service, merci. Et Alta Grâce toujours bien dans ça, accueillir tout le monde. Père Francky, continue comme ça, continue Kembe FM pour paroisse, ça a toujours été très accueillant. Même Jean à toute notre paroisse. Dernier mot, c'est Père Yo, encore une fois, bonne fête. Kembe FM a fidèle Yo dans paroisse. Rete proche, et puis rete kembe communion entre nous, communion avec l'évêque. Et m'espérer que bientôt, on va dire les évêques, parce que le peuple a quitté mon compte tout le temps. Kembe communion avec nous tout entre nous pour travailler là, capable de faire. Parce que le monde n'a pas qu'à travailler pour compte,
pas un homme orchestre dans l'église, une équipe, une communion, une communauté. Merci, nous tous. Et déjà, bon triduum pascal, bonne fête de Pâques, que le Christ, lui-même qui souffre, qui mourit, mais qui ressuscité, aide-nous, soutenez-nous dans la souffrance, nous, pour nous capables de ressusciter avec lui, pour Haïti capable de ressusciter. Merci et bonne fête. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. C'est nanon tout confrère Payo. Et nanon nous toutes, moi, contemplant la parole, pour moi, saluer présence, pasteur nous, papa nous, archevêque nous, qui l'a avec nous. Son Excellence, Monseigneur Max Leroy, Mésidor. Monseigneur, nous voulons dire bonne fête du sacerdoce ministériel. Nous voulons dire merci pour ça, vous représentez pour nous, pour ça, vous y êtes pour nous. Nous voulons renouveler, remettre nos gagnants dans le cœur pour vous. Renouveler l'engagement nous pour nos travail, pour nous collaborer ensemble avec vous. Nous assurons, Monseigneur, de prier nous. C'est pour bon Dieu continuer à veiller sur vous. C'est pour le bénir, pour le continuer à bénir, pour le continuer à bénir le ministère. Bonne fête. Maxime, aux bénédictions, moi pral ba nou an, m'a ba nou nan non pam, m'a ba nou tout nan non deux confrères, m'a ba nou nan non mon sœur Pierre-André Dumas. Moi t'ai parlé avec elle avant hier, après prendre ni assez bien. Bon Dieu a aidé elle. Elle dit me saluer fidèle yo, béni au poli. M'a ba nou tout nan non Monseigneur Romelus. Monseigneur Romelus, c'est émérite. Il n'est pas trop jeune. Si m'a dit non l'âge, il nous a saisi. Mais Monseigneur Romelus, je vous prie pour aider. Tout père qui est dans la zone Carrefour, Léogan, Tigouave, Grangouave, Pacavine là, depuis 2 ans, je planifie pour avoir une messe chrismal dans la zone le mardi saint. Et Monseigneur Romelus, mardi, qui te fait messe la Tigouave pour toute la zone sud là, tu as 33 paix qui te là, et avec un pile fidèle, mais ça te fait Tigouave. Même Monseigneur Romelus, il finit faire messe là, matin, il a fait messe chrismal en Savo pour Monseigneur Dumas qui va là. Et Monseigneur Romelus, il quitte tête neuf là, oui déjà. Et dans 90 ans après aller, l'hôpital pour aller faire messe la caille. Monseigneur Romelus, félicitations et merci. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.